Mon métier, c'est la couverture. Contrairement à l'idée reçue, c'est pas que empiler de la tuile. On travaille une quantité phénoménale de matériaux, les plus ou moins différents les uns des autres. Ça peut partir de pierre pour faire de la couverture, de matériaux végétaux pour faire de la couverture en chaume, en passant par la tuile bien entendu, encore de la pierre qui est de l'ardoise, et on peut aller à tout ce qui est couverture métallique avec le zinc, le cuivre, l'inox ou le plomb. La couverture, au sens littéral du terme, c'est mettre hors d'eau, c'est une étanchéité. Mais il faut toujours lier deux éléments, c'est l'étanchéité et l'esthétisme. Après, le métier de couvreur, notamment en rénovation, mais il faut avoir beaucoup plus de compétences, parce qu'il faut avoir des compétences de charpentier, parce qu'on travaille sans support, et des compétences de maçon, parce qu'il y a des enduits à reprendre, des petits bouts de mur à refaire, donc il faut avoir une large compétence. Ça ne se limite pas qu'à mettre de la tuile ou poser de la tuile et faire du zinc. Après, moi, ce qui m'a vraiment attiré, c'est vraiment le côté qu'on dira dans l'artisan, il y a art, c'est le côté art. Donc là, c'était quand on fait une toiture en lauze, c'est tout le monde va passer devant en disant « ouais, c'est super beau ». Donc il y a une partie art. Après, moi, ce que j'aime bien aussi dans le métier couvreur, c'est tout ce qu'on peut faire en embellissement. C'est-à-dire que je fais des girouettes, on fait des développés, on va créer des girouettes. Et donc ça, c'est vraiment de l'art. J'ai eu une autre vie professionnelle avant d'être couvreur. J'étais docteur en biologie moléculaire, ma spécialité c'était les OGM. Et après j'ai travaillé dans le privé pendant 3 ans où j'étais chef de projet en recherche et développement pour les produits médicaux. Donc ça n'a rien à voir avec l'artisanat ou les métiers du bâtiment. Ne trouvant pas de travail dans ma branche d'activité, j'ai eu l'opportunité de racheter une entreprise dans le bâtiment, et donc j'ai été me former chez des compagnons pour apprendre le métier et donc être crédible auprès des salariés, des clients et être autonome sur un chantier. Dans le bâtiment, le métier de couvreur, c'est vraiment des métiers où on a le plus besoin de personnes qualifiées, parce que la plupart des jeunes qui vont dans les formations du bâtiment, ils choisissent en priorité la charpente, métier noble par excellence, et pensent moins souvent à la couverture, parce que tout le monde réduit la couverture à empiler des tuiles, alors que nous, on a vraiment besoin d'avoir des jeunes qui soient compétents et donc qualifiés, parce que c'est pas si simple et donc on ne peut pas avoir que des manœuvres. Un couvreur, s'il peut faire un petit peu de charpente, un petit peu de maçonnerie, s'il n'y a pas besoin d'avoir 3 ou 4 corps de métier qui viennent, mais il aura une valeur marchande beaucoup plus importante. Derrière nous, on a deux ouvriers. Il y en a un qui a 25 ans, ça fait 5 ans qu'il est dans le bâtiment. Il était au SMIC, parce que comme manœuvre, maintenant il a 1 500 € brut par mois. Moi, par exemple, quand j'étais docteur, mon travail en tant que chef de projet, je touchais 1 500 € par mois à bac plus 8. Donc après, l'expérience va faire que des gens comme l'ouvrier le plus qualifié derrière, et très vite, ils sont au-delà de plus de 1 800 € par mois. Ils peuvent très bien monter, pour certains, jusqu'à 2 500, peut-être même 3 000 € s'ils continuent.